Jean-Pierre Legros, vous êtes un architecte reconnu par vos pairs. Vous jugez le projet de déviation de Beynac totalement inutile, mais y a-t-il, aux yeux de l'écologue que vous êtes, un projet d'aménagement en zone rurale qui trouve grâce à vos yeux? Ben oui, j'ambitionnais d'ailleurs de faire un document, un diaporama pour toute la population pour comparer simplement la déviation de Beignac avec le pont de Millau. Alors je me souviens d'une dame qui me dit, mais vous monsieur, j'espère que vous plaisantez, on ne compare pas de projet de ce niveau. Bien sûr que si, et voilà. Alors si vous acceptez, je vous explique le point commun qui existe entre ces deux ouvrages. C'est leur longueur. Ils font 3,2 km. Le pont de Millau, de Culée à Culée, fait 2,4 km, n'est-ce pas? Puis il y a les raccordements qui se font. Ça, c'est le point commun. Mais de l'autre côté, donc, on a défini le coût de travaux. Les travaux, c'est 400 millions d'euros. Le projet terminé. Tout le monde peut trouver d'ailleurs ces informations sur Internet. Elles sont largement diffusées. Nous avons pour ces 400 millions, c'est-à-dire pour moi 10 fois plus que la déviation de Beignac, on a donc un superbe ouvrage que tout le monde connaît désormais, on a une autoroute et on a surtout un trafic routier de plusieurs millions de voitures chaque année. Alors voilà, ça c'est un projet et l'autre aspect très important, ce sont les usagers qui payent parce que la A75 qui passe sur ce pont est gratuite et le péage que vous avez à voir le pont, c'est uniquement pour financer les travaux. Et alors, il faut savoir que bon, les camions payent 35 euros le passage, les voitures l'été c'est à presque 10 euros et l'hiver c'est un peu moins cher. Bref, il se trouve de surcroît que ce projet m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'on pouvait. Il rembourse, en fait, l'exploitation rembourse plus rapidement que le prévisionnel qui était prévu avant le démarrage des travaux. Voilà. Alors. Donc l'idée selon laquelle un projet d'aménagement aujourd'hui n'est plus possible en zone rurale ne tient pas la route, comme Ben on pourrait oui. dire. À Beynac, nous avons deux voies. Bien sûr, c'est 10 fois moins cher, mais 10 fois moins cher, anormalement cher d'ailleurs. Mais ce sont les contribuables qui vont payer. Il n'y a pas de contrepartie financière. Voilà. Et ça doit faire partie de toute base d'études, de regarder les tenants et les aboutissants. Il est incontestable que l'ouvrage de Millau, certes, qui a coûté beaucoup d'argent, se trouve être utile absolument et reconnu d'utilité publique, n'est-ce pas? Et en plus, son exploitation se trouve dépasser les prévisions. Alors que là, on est dans une histoire de fou, quoi, et simplement, il est utile et urgent d'arrêter de faire des projets comme ça qui sont ubuesques aussi pour moi. Le mot est employé par notre président du Conseil général, mais il faut savoir qu'à cause de la déviation de Beignac, d'autres projets beaucoup plus urgents et utiles vont être mis de côté. Voilà. Lesquels? Mais par exemple, mais il va falloir attendre pour Sarlat, la déviation que tous les Sarladais attendent. Là, on peut faire un sondage, il n'y aura pas photo. La deuxième partie de cette déviation que les Sarladais attendent pour pouvoir franchir la zone difficile et surtout l'été, très compliquée. Bon, on a l'hôpital de Sarlat qui est en décrépitude. Il suffit de se promener dans les couloirs, les revêtements de sol se décollent, les plinthes se décollent. Vous rentrez dans les sanitaires des chambres, c'est pas acceptable d'en arriver là. Le personnel dans le couloir qui se dispute élégamment, évidemment, est-ce que je peux te prendre ta table roulante parce que moi j'ai pas la mienne, je l'ai prêtée à un tel. Des choses qu'on entend qui sont pas rassurantes du tout. Je parle de ça, on ferme des écoles et on oublie aussi qu'on a le plus grand réseau de routes départementales en Dordogne, on a cette chance, avec presque 11 000 km, dont 27% très exactement sont dans un état déplorable. J'habite à côté d'une de ces merveilleuses petites routes remplies de nids de poules, et pour que deux voitures se croisent, il faut qu'il y en ait une qui s'arrête. Et on est sur des chemins départementaux. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà. C'est la réaction d'un citoyen. Là, je parle en tant que professionnel, certes, d'un côté, mais de citoyen aussi, qui voit qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Voilà.
Très bien, je vous remercie, monsieur.